Alors, bienvenue dans ma petite partie montage. Aujourd'hui, on va monter une petite nymphe que je vais nommer la Foo Brown. Donc, pourquoi? Parce que ça va être monté qu'avec des matériaux marrons. Donc, j'ai mis dans l'étau un Camassan B160 numéro 16. J'ai mis une bille marron en tungstène de 2 mm. Et je vais commencer à faire un enroulement de fil de montage marron. Je vais descendre un petit peu sur la courbure et je vais remonter pour me mettre vraiment au début de la courbure. Je vais prélever quelques fibres de coque pardo pour faire les cercles. Et je vais immédiatement après poser un herle de dinde teinté en marron pour simuler un bel abdomen. Voilà. Voilà. Donc je prélève une fibre marron que je vais poser au niveau et je remonte en spire très jointive au niveau du thorax. Au niveau, en fait, je vais me mettre carrément derrière la bille. Donc je vais couper le pardo. Et je fais des enroulements très jointifs. Je vais faire un aller-retour pour compenser ma différence de hauteur. Voilà. Et je mets mon fil de montage en attente. Donc je réalise un corps annelé avec ce herle de dinde teinté en marron. On prend son temps, hein. Je fais encore un tour et je m'arrête. Alors, étant donné que le herle laisse apparaître beaucoup le fil de montage, on va réaliser un micro dubbing de chez avec du dubbing de chez Wapsi. Donc on va prendre la couleur Mahogany qui ressemble, qui est bien dans les teintes que je recherche pour cette nymphe. Mais c'est vraiment une quantité vraiment infime, hein, de dubbing, hein. Je vois beaucoup trop malheureusement sur des jolis montages qui sont gâchés par une trop grande utilisation de dubbing. Là, j'en mets vraiment pour dissimuler mon fil de montage. Donc, je tourne sur place. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Il y a à peine 3 ou 4 fibres de dubbing pour dissimuler. Et je dissimule en réalisant deux petits nœuds finaux. C'est vraiment quelque chose de tout petit. Je vais vous faire tourner la mouche sur place. Voilà, on devine à peine le fil de montage dans ce petit enroulement de fil. Donc voilà, une toute petite nymphe sur un hameçon de 16 avec que du naturel, hormis la bille en tungstène.